Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver en peignoir, mais ça s'y prête. Je vous promets, vous allez comprendre au fur et à mesure. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler un peu de la journée que j'ai passée à Paris, à la piscine Molitor, un endroit absolument dingue, puisque j'ai été invitée en fait par L'Oréal Air pour découvrir la gamme à l'argile extraordinaire. Les packagings sont trop beaux, je vais vous en parler juste après. Mais du coup, pour passer vraiment une journée hyper... je vais ranger ça, il y a tous mes documents. Hyper détox, hyper relaxante, agréable. On s'est fait vraiment laver les cheveux, coiffer, brushinguer. C'est un mot qui n'existe pas, mais j'adore dire ça. Avec justement la gamme à l'argile extraordinaire. Et c'était vraiment une journée de dingue. Franchement, c'était trop cool, donc je vais vraiment vous en parler aujourd'hui face caméra, mais vous aurez des images de ma journée d'hier. Je trouvais que c'était assez sympa de faire ça comme ça, d'où du coup le peignoir. Ça s'y prête quand même pas mal. Pourtant dessous je suis habillée hein, puisque je prends mon avion pour Londres tout à l'heure, dans une demi-heure en fait, enfin je dois partir dans une demi-heure. C'était trop cool cette journée, elle était vraiment géniale. J'étais avec Sweetie, j'étais trop contente de la rencontrer. De toute façon toutes les filles étaient super sympas, l'équipe L'Oréal aussi. C'était vraiment cool, j'étais vraiment à l'aise et vraiment en mode détente et bien, une super journée entre filles, c'était vraiment cool. Avec Nolita, j'espère que je le dis comme il faut, je le dis jamais comme il faut. Et également The Brunette, ça m'a permis de vraiment les découvrir un petit peu plus. Et voilà, c'était cool quoi, une journée entre filles vraiment sympa. Tout le monde était sympa, détendu, donc j'étais super contente de cette journée. J'ai passé une journée de dingue, franchement je suis rentrée, j'étais mais dans le train à fond, hyper détendu. Et du coup on a commencé par, j'ai mon planning juste ici d'hier, par une heure de naturopathie. Donc on était dispatché, c'était tout individuel, donc c'était vraiment axé sur notre personne individuelle et j'ai trouvé ça super cool. C'était vraiment personnalisé, donc c'était génial. Alors je me trompe toujours dans ce mot naturopathie, je me trompe toujours, je le dis dans tous les sens sauf dans le bon, mais moi j'ai surtout parlé de mon alimentation, mais ça va beaucoup plus loin dans de la médecine entre guillemets, je pense que je peux dire ça comme ça, naturelle. Et je connaissais pas du tout, j'en avais même jamais entendu parler, mais moi j'ai surtout parlé de mon alimentation et de ma difficulté à digérer, donc je vous ferai peut-être une vidéo directement sur ça. J'ai appris plein de choses, à pas mélanger certains aliments que je faisais en fait à la maison, mais sinon mon alimentation est bien équilibrée à la maison, donc voilà, j'ai quelques petites choses que j'aimerais changer, mais je vous en reparlerai. Ensuite j'ai fait une heure de massage de tout le corps et ça c'était absolument génial, franchement le massage à la piscine Molitor, j'ai adoré, c'était une journée tellement détente et tout, c'était trop cool. Et bon bah un massage, je vous apprends rien, ça m'a détendu un truc de dingue, j'étais mais j'avais l'impression d'être un peu shootée, vous savez après un massage on se sent un peu shootée quoi, tout est un peu flagada et c'était super agréable. En même temps je trouve qu'un massage ça stimule le corps et tout le corps comme ça, moi j'adore. Une heure pour moi c'est le massage idéal et du coup bah, c'est ce que j'ai eu et j'étais au paradis. Ensuite on a mangé du coup au restaurant de la piscine Molitor, et si vous connaissez pas la piscine Molitor, c'est un endroit vraiment magnifique qui est devenu vraiment luxueux. La piscine extérieure est chauffée à 28 degrés, j'avoue j'ai pas été courageuse, j'y suis pas allée, mais franchement c'est génial, vous avez vraiment le côté spa, vraiment piscine intérieure aussi, enfin c'est un endroit magnifique, magique, que je vous recommande vivement de découvrir. Il y a plein d'endroits sympas à l'intérieur aussi, vous avez une voiture exposée qui est magnifique, vous avez un mur avec Mickey, vous avez un petit chat noir sur un notre mur, enfin des ordinateurs aussi, c'est vraiment un endroit incroyable et j'ai été tellement heureuse de le découvrir, j'y étais jamais allée et j'en avais déjà un petit peu entendu parler, mais d'y être c'était waouh, c'était trop cool. Ensuite on avait vraiment, bon, de toute façon on a eu plein de moments détente, bon, c'est que de la détente de toute façon la journée, mais entre toutes ces étapes là on pouvait aller à un endroit vraiment détente où il y avait, c'était scindé en deux parties, donc il y avait une partie un petit peu plus lumineuse mais une lumière toute tamisée avec plusieurs fauteuils, vous pouviez boire, etc. Et il y avait un espèce de rideau au milieu, en tout cas c'était scindé en deux parties. Et de l'autre côté, c'était vraiment mon endroit préféré, vous aviez des sièges en rond avec au milieu, je ne saurais pas comment vous expliquer ça, mais en fait c'était de l'eau et par-dessus il y avait quelque chose qui faisait que lorsque l'eau bougeait, ça faisait des effets sur le plafond. C'était
magnifique, je veux ça chez moi, je le veux vraiment, c'était vraiment trop trop beau. Et je pourrais pas avoir ça chez moi, ça doit être vraiment compliqué à faire. Et du coup, vous aviez vraiment les sièges en cercle autour, vous pouviez regarder le plafond, c'était hyper... Oh, c'était d'une détente inouïe en fait, j'avais jamais vu ça dans un endroit comme ça. C'était, en même temps j'étais jamais allée dans un endroit comme ça, mais c'était vraiment vraiment magnifique. Et avec bien sûr une musique hyper détente, hyper relaxante, mais c'était vraiment une ambiance de dingue. Et là c'était dans le noir en fait, il y avait vraiment juste la lumière de cette espèce de chose au milieu qui reflétait au plafond avec de l'eau à l'intérieur. On avait l'impression d'être sur une autre planète en fait, et ça c'était incroyable. C'était vraiment mon endroit préféré à la piscine Molitor. Et donc du coup on avait voilà un petit moment de détente après le repas. Puis on est passé justement à la gamme argile extraordinaire, puisqu'il y avait des coiffeurs directement sur place pour nous coiffer, nous faire le brushing, etc. Donc ça c'était vraiment trop trop cool. Du coup je vais vous parler un petit peu des produits. Donc tout d'abord il y a l'argile en masque avant shampoing. C'est une pâte, alors les packagings déjà je les trouve trop beaux, hein, je vous l'ai dit, j'aime vraiment beaucoup. C'est une pâte bleue comme ça, sent super bon, j'adore cette odeur. Ça va vous permettre vraiment, c'est pour les racines grasses en fait tout simplement, ça permet d'avoir vraiment des racines décollées hyper aériennes. Et c'est ce que j'ai eu aujourd'hui effectivement. Bon là j'ai attaché un petit peu mes cheveux à la va-vite parce que dans l'avion j'aime pas lorsqu'ils sont dans mes yeux, mais c'était vraiment génial. Donc bien sûr je vous en reparlerai sur le long terme, mais c'est la première fois que je voyais un produit comme ça. C'était très agréable sur les cheveux, vous laissez poser 5 petites minutes et ça suffit. Ensuite ça se rince bien sûr sous la douche normalement, parce que c'était dans un bac forcément avec un coiffeur, mais ce sera sous la douche pour vous. Et ça a vraiment décollé mes racines, ça donne un volume de dingue. Mes cheveux ne regressent pas dès le lendemain, mais mes racines sont un peu plus collées forcément, moins aériennes, etc. Et là je vois qu'aujourd'hui c'est déjà, il y a déjà une différence. Ensuite vous avez deux shampoings, le shampoing antipelliculaire toujours de la gamme Argile Extraordinaire forcément, et le shampoing beauté. Donc moi on m'a utilisé le shampoing beauté parce que j'ai aucun problème de pellicule, il est vraiment très très bien. Plus pour moi, il est sans silicone, donc ça c'est génial, puisque vous savez que depuis que j'ai les extensions j'évite le silicone au maximum, même si j'en utilise de temps en temps. J'essaye de vraiment prendre soin de mes extensions. Du coup sans silicone. Pareil pour celui, pour le shampoing anti-pelliculaire, les packagings sont toujours au top. Et également sans silicone dans le démêlant dont je vais vous parler juste après. Je vous en reparlerai au fur et à mesure, mais j'ai beaucoup aimé l'effet hydratant sur mes cheveux quand même, mais purifiant aux racines. Et ouais, cheveux normaux à tendance à regresser, néanmoins ça assèche pas non plus les longueurs. Je vois sur mes cheveux naturels, ça a pas du tout asséché les longueurs, au contraire je trouve que ça galbe vraiment le cheveu et que ça facilitait le brushing. Et très important pour moi, le démêlant beauté, je sais plus combien de temps il l'a laissé agir sur mes cheveux, mais je pense que 3-4 minutes ça suffit. Voilà, laisser agir 2 à 3 minutes puis rincer, ça sentait super bon, j'avais adoré. J'adore cette odeur, la gamme sent vraiment trop trop bon. Et ça fonctionne vraiment. Je l'ai senti quand il m'a démêlé les cheveux, parce que normalement chez le coiffeur j'ai envie de pleurer quand on me démêle les cheveux, mais là pas du tout, ça les a très, très bien démêlés. Puis il y a aussi, et ça c'est trop cool également, c'est le shampoing sec. Donc celui-ci je ne l'ai pas encore utilisé, je vous en reparlerai, mais hier on l'a testé un petit peu et il ne fait pas du tout de résidus blancs. Donc ça c'est cool, il a vraiment aucun... je pense que... vous voyez, ça a pas du tout de... c'est impossible que ça fasse des résidus blancs. Ça sent trop bon encore une fois. Et c'est à vaporiser, vous savez, à 30 cm vraiment des cheveux pour avoir vraiment le bon effet. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à mal utiliser les shampoings secs. Donc elles nous l'ont vraiment bien expliqué. Du coup, à 30 cm de la racine, soit pour donner du volume si jamais vous avez les cheveux qui regressent pas, soit vraiment pour, pour décoller les racines, etc. Soit en tant que véritable shampoing sec pour espacer votre shampoing d'une journée à peu près. Moi en général c'est ce que je fais. Et ouais, du coup je me suis retrouvée avec des cheveux de rêve franchement. Aujourd'hui j'ai rien fait là à part un petit peu les attacher, et ils étaient toujours hyper aériens à la racine. Franchement ce truc là, j'avais jamais entendu parler d'un produit comme ça, l'argile en masque avant shampoing pour les racines grasses. Et j'adore la couleur hein. Franchement
toute cette couleur là, je trouve ça vraiment génial. Et le brushing, comme j'aime, on dirait un brushing de star, franchement c'était vraiment magnifique. Et on a eu aussi, je voulais trop vous en parler, bon je vous ai harcelé sur Snap, n'hésitez pas à m'y rejoindre, j'arrête pas de vous embêter sur Snap, mais on a eu des peignoirs avec notre pseudo Noémie Makeup Touch Argile Extraordinaire, et c'est vraiment, je voulais m'en acheter en plus un peignoir sorti de douche, vous savez, parce que ce genre de peignoir là, mouillé vous pouvez pas, hein. La sensation est horrible, alors que ça, ça absorbe vraiment, c'est vraiment une matière serviette, et ben voilà, avec marqué Noémie Makeup Touch, j'étais trop trop contente, on avait toute notre petite peignoir avec notre pseudo à emmener à la maison, et on avait eu d'autres petits cadeaux aussi, détox, un livre détox, du thé détox que je connais déjà, que j'aime beaucoup, et voilà, c'était vraiment une super super journée, je me suis éclatée, c'était un moment détente inouï, c'était trop cool quoi, donc vraiment j'étais très très heureuse, merci beaucoup à L'Oréal pour cette opportunité, et merci beaucoup à vous de me soutenir, d'être toujours là, de permettre de rendre tout ça possible tout simplement, franchement je vis des moments et des journées magiques et je vous en remercie infiniment, j'ai vraiment conscience de la chance que j'ai et voilà, en tout cas je vous mets les liens si vous le voulez en barre d'infos pour la gamme Argile Extraordinaire, vous m'en direz des nouvelles si jamais vous la testez, en plus c'est voilà, disponible en grande surface, à prix ultra abordable, packaging sympa, enfin franchement tout pour plaire et je vous en reparlerai bien sûr aussi au fur et à mesure des semaines et des mois et sans silicone, des shampoings, j'étais trop contente, le démêlant sans silicone aussi, franchement j'étais aux anges. Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein 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 de gros bisous et je vous aime très fort, ciao ciao.